T'es ouf, toi. Vie de ma mère et moi, je vais dire à la police, c'est toi. Alors là, je vais dire à la police, c'est toi. Alors là, c'est sûr, je vais dire à... C'était à la police, c'est toi qui a pris la trottinette de Paris. Je vais dire, c'est toi. Eh, hey, c'est lui, monsieur. Monsieur, monsieur, c'est lui. C'est lui. C'est lui qui prend les trottinettes de Paris. C'est lui. Regardez bien sa tête. Eh, hey, mais laisse pas tes mains, tes traces sur les, sur ces trottinettes là. Non, c'est bon, il va essuyer avec son t-shirt. Toi, tu l'as utilisé tout à l'heure, celle-là? Non. Bah, essuie tes traces avant qu'il trouve. Putain, mais vous êtes trop bêtes, voilà, vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde, vous êtes con. Essuie bien où t'as touché. Là, vous êtes dans la merde, bande de cons. Mais c'est qui l'a ramené ici? C'est Wally, l'archi-con. Voilà, vous êtes dans la merde, vous, quand ils vont la trouver. Vous êtes dans la merde. Après, il y a un mec qui est venu la prendre. Voilà, vous êtes trop con. Moi-même, vous êtes trop con. T'as dû aller poser. Non, 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 ils sont pas encore arrivés. Voilà, ils sont derrière. Voilà, les codés. Voilà, voilà, ils sont derrière. Voilà, voilà. T'inquiète, t'inquiète. Monte, vite, vite, il y a les codés. Vite, vite. Désolé d'avoir touché la trottinette de Paris. Voilà, faut plus que tu touches, hein. D'accord? C'est comme la police, ils veulent pas qu'on touche les trottinettes, d'accord? T'as essuyé bien tes empreintes ou pas? Non, vraiment, là, je suis pas sérieux. J'ai pas essuyé de rire. Putain, vas-y. Plus jamais tu touches ma vie une trottinette. Ah, faut pas toucher les trottinettes de Paris. Ah, moi, je laisse ça ici, hein. Moi, je laisse. Non, t'inquiète, je reste avec toi, je reste avec toi. T'inquiète, je reste avec toi. Je reste avec toi. Ouais, je reste avec toi, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, mais faut pas toucher, d'accord? Ça, faut plus toucher, d'accord? Ok? Ok, faut plus toucher, d'accord? Je te pose une question sérieuse. Dis-moi, est-ce que t'as touché la trottinette ici? Non. T'es sûr? Non. D'accord, ok, non, je te crois, je te crois. Mais dis-moi juste, hey, s'il te plaît, pour savoir, dis-moi que t'as pas mis ton pied ici. Comme si t'as mis ton pied, vous trouvez direct, t'es qui? Je rigole pas, mais la vie. Oui, oui, il y a la police, vite, avancez, avancez. Djibril, non, Djibril, je te parle, s'il te plaît, sauve-nous. Djibril, mets la trottinette à la poubelle. Sauve-nous, sinon la police, ils vont venir pour toi. Mais non, mais j'ai pas envie, et après, moi, je t'ai toujours allé faire un truc. Mais déjà, pourquoi vous avez touché les trottinettes de Paris? On est dans la banlieue ici. Attends, attends, attends. Attends, Djibril, s'il te plaît, tiens. Djibril, tiens. S'il te plaît, sauve-nous. Sauve-nous. Tiens, tiens la trottinette de Paris, tiens. Eh, c'est toi qui as touché, non? Eh, c'est toi qui as touché, non? Tiens, Djibril, Djibril, tiens. Bonjour, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous êtes Mamadou Soumaré? Oui. Oui, désolé, je me permets de vous appeler. Voilà, je suis le commissaire du Oui. Voilà, je me permets de vous appeler parce qu'on a effectué une prise d'empreinte en fait sur une trottinette. D'accord. Et donc d'après les fichiers, les empreintes en fait appartiendraient à deux personnes. Vous et avez. Vous avez les. Vous avez les prêts. Oui, monsieur. On a leur nom et prénom. Donc il y aurait un dénommé Sadio Sissoko. Oui, monsieur, oui, monsieur, on comprend. Et le deuxième. Attendez, je regarde sur les fichiers. D'accord, chute. Excusez-moi, monsieur, il y a du bruit. Arrêtez là. Oui, monsieur, je vous écoute. Donc, il y aurait un dénommé Sadio Sissoko. D'accord. Et un. Attendez, je regarde. Sissoko. Excusez-moi, je vous ai mal entendu, oui, pour le deuxième prénom. Donc, je répète, monsieur. Je vais pas faire que ça toute la soirée. Donc, il y a un Sissoko. Hé hey, hé hey. Sadio. Ouais. Et un Sissoko Djibril. Et un Djibril. Ouais. Putain. Là, monsieur, moi je suis avec eux. Moi je donc, voulais. On a leurs photos, oui, en fait là sur nos fichiers. D'accord. Donc il y en a un qui semble assez. Enfin, il doit bien manger. D'accord. Ah ouais, voilà. Ça c'est son grand frère. Mais lui il avait rien fait. Là monsieur, moi je suis avec Sadio. Il voudrait vous parler. Pour, je suis avec Renaud. Attends, chut, doucement. Il voudrait s'excuser. D'accord. Personne fait du bruit. Là il s'excuse. Vas-y. Monsieur, je suis désolé. Oui, monsieur, je, vous suis... Êtes qui vous êtes je qui suis Sadio Sissoko, mais je suis désolé. Je suis désolé d'avoir touché la trottinette électrique. Je ne veux plus jamais ça, monsieur, s'il vous plaît. Très
vous êtes sûr? Oui, monsieur, je suis sûr, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous êtes? Djibril. Fais vite, j'ai pas trop de batterie. D'accord. Allez. Oui, je suis désolé d'avoir... Je suis désolé d'avoir touché la trottinette de Paris. Je la toucherai plus jamais de ma vie. D'accord. Je vous sens pas très... J'ai l'impression que vous mentez, là, Djibril. Je mens pas, je mens pas. Je mens pas, monsieur. Voilà, monsieur. Moi, j'avais déjà prévenu une équipe de venir... J'ai pas l'adresse exacte. Pour récupérer ces deux individus. Ah, ils vont dormir en prison? En tout cas, ils vont faire de la garde à vue. Ça, je peux vous dire. Dis pardon, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Excusez-nous, ça avait coupé tout à l'heure. Oui. Oui, c'était. C'est quoi, les empreintes, c'est ça? Ferme la porte. Oui. Oui. Donc. Oui, je vous disais qu'il y avait une équipe qui était prévue là, pour aller récupérer les deux individus. D'accord. Sadio Sissoko et Djibril Sissoko. D'accord. Et. Oui. Eux, ils voulaient s'excuser, ils voulaient vous parler. Allez, Adi, on t'écoute. Monsieur, je suis désolé. Pardon, monsieur. Elle était à vous, la trottinette? Non, elle était pas à moi, mais j'ai pas... Pourquoi vous l'avez touchée, alors? On savait pas que la police allait venir. Donc, s'il n'y avait pas la police, vous l'auriez encore touchée? Non, monsieur. Mais on savait pas que la police allait venir. D'accord, mais pourquoi vous l'avez touchée? On savait pas. Non, on savait pas. On savait pas quoi? Vous savez pas que la police allait venir? Mais pardon pour toucher la trottinette. Monsieur, je suis désolé, s'il vous plaît. Ne ramenez pas à la garde à vue, s'il vous plaît, monsieur, il y a ma famille. Ma maman a manqué à aller partir en vacances. Et elle serait contente, vous pensez? Non. Que derrière son dos, vous faites des choses comme ça? Non. Excusez-nous, on va passer à l'autre aussi. Excusez-moi, toi. Passez-moi, monsieur Djibril. Ah ouais, toi t'es mort. Vas-y. Monsieur, je suis désolé d'avoir touché la trottinette, et je la toucherai plus jamais de ma vie. Attends. C'est que moi j'ai du mal à vous croire. Ah ouais, mais je mens pas, monsieur. Monsieur, je mens pas, hein, si vous voulez. Écoutez, je vais demander de toute façon, on annule pour celui qu'on appelle Grenouille. Yes. Et... Yes. Bien, attends, dis-le, Dieu, merci beaucoup. Attends, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Je vous fais des bisous, monsieur. Merci beaucoup. Passons. Yes. T'es content? Dis le bisou encore. Merci beaucoup, monsieur. Attends. C'est la dernière fois. Hein. Ouais. Oui, c'est la dernière fois. Mais il faut essayer de reprendre la tête. Attends, excuse-moi. Monsieur, je toucherai plus jamais la trottinette. Je vous mens pas. C'est qui là? C'est Djibril Sissoko? Oui. Je toucherai plus jamais la trottinette de ma vie. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur et je vais annuler l'effectif. Merci, monsieur. Monsieur, il s'excuse, alors c'est bon? Oui. Écoutez, la prochaine fois que vous voyez un effectif de police, vous allez les voir et vous leur dites pardon. Oui, et bisous. C'est du travail. Au revoir, monsieur.